Alors aujourd'hui, une recette simple, on va faire un sandwich avec un bon pain, une betterave cuite, un oignon, du persil, quelques radis, des feuilles de salade et du fromage frais. Un peu d'huile d'olive, sel, poivre et vinaigre de balsamique. L'huile d'olive de chez notre ami Alexis Mignoz. Le fromage frais, vous le mettez dans un saladier, faites une pâte molle. On va hacher un peu de persil finement. Les radis, faites des fines lamelles et vous allez couper en petits dés. On va le remettre à l'intérieur du fromage frais. Le verre, la tige, vous la coupez en 4 et vous émincez. Le blanc, on va l'émincer dans l'autre sens. Faites des fines lamelles. Dans ce mélange, nous allons rajouter un petit mélange libanais de sésame et thym. Une pointe de sel et un petit tour de moulin. Une vinaigrette simple, un petit peu de sel, vinaigre de balsamique. Comptez environ, allez, une cuillère à café de vinaigre de balsamique pour 3 cuillères à café d'huile d'olive. Ça, c'est simple à faire et ça marche pour toutes vos salades. Ce mélange de vinaigrette, vous le rajoutez au fromage. Le mélanger. On goûte. On rajoute un peu de vinaigrette. Et mon mélange est prêt. Vous faites de belles tranches que l'on va mettre au toaster. Une fois que vous avez toasté vos tranches de pain, on va assaisonner les feuilles de salade avec la même vinaigrette. Avec des tranches fines de betterave cuite qu'on va assaisonner de la même façon avec notre bon mélange de fromage. Vous allez tartiner la première tranche. On va rajouter une tranche de betterave. On va remettre une fine pellicule de fromage sur lequel on va venir mettre les fines lamelles de radis et pour ceux qui les souhaitent, cet oignon nouveau par-dessus. Une belle feuille de salade. Et là, vous entendez comme ça croustille, votre sandwich est prêt. Vous pouvez ou le laisser entier ou comme moi, le couper. Bon appétit !